comme le coach l'a si bien dit, on va tous bien. Demain, on a le second match de notre groupe. Et voilà, c'est le même contexte que le premier. Et on fera le compte des points à la fin du troisième match. Sans lui mettre la pression. Et à la fin, voilà, qu'il fasse le mieux possible. Et après, comme j'ai dit, on est dans la phase d'épaule. On ne pointe pas un joueur du doigt. C'est l'équipe et c'est l'équipe qui ira au bout. Voilà, il n'y a pas de journée spéciale pour le foot. Le Mali, c'est le Mali. À chaque fois qu'on met le maillot, c'est voilà, on joue nos vies. On serait vraiment heureux de permettre à la population d'avoir deux fêtes demain, c'est-à-dire la fête de l'armée et la qualification, c'est après le troisième match. Et voilà, de fêter la victoire. La qualification, c'est après les trois matchs. Le plus important, comme le coach l'a dit, c'est de travailler et qu'on ait la possibilité que tous les jours soient des fêtes pour la population malienne. Pour tout le monde, tout le monde veut bien faire, alors que dans le foot, on fait de son mieux, on ne peut pas tout le temps bien faire. Que ce soit Doudou ou les autres joueurs, on a bien vu qu'ils avaient beaucoup de difficultés. Mais après, ils se sont, voilà, tout le monde s'est ressaisi. Et la finalité, c'était les trois points, on les a eus. Et je suis sûr que le prochain match, ils continueront comme ils l'ont fait lors de la deuxième mi-temps.